Cube, je suis désolé, j'ai failli vous oublier quoi. Quelle catastrophe. Donc on est parti sur cette deuxième journée de streams exceptionnels sur les 200 follow. Et aujourd'hui, ça s'est bien passé hier, on a réussi 2 jeux sur 3. Hein. On a loupé malheureusement Hollow Knight. Et aujourd'hui, on va commencer avec du Kirby's Adventure, un jeu sur NES, où on joue Kirby, la petite boule rose, qui a une tête chelou, qui avale tout, et qui prend les pouvoirs de ce qu'elle avale. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Hein. Et donc voilà, donc y a le chrono qui est déjà en route. Ça y est, le chrono s'énerve. Et donc on va commencer. Hop, c'est parti pour 200 minutes, 3h20. Et on va bien voir si on arrive à faire quelque chose et si on gagne. Hop! Allez, c'est parti. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, vous voyez, on peut courir, on peut sauter, on peut avaler des trucs, on peut cracher des trucs. Alors pour l'instant, j'ai pris aucun pouvoir parce que dans ce niveau-là, ça sert à rien. Alors Kirby est assez lent en fait, de base. Ah, vous voyez, hop, je peux avaler des pouvoirs et paf, j'ai des pouvoirs. Et Kirby est assez lent, mais en double appuyant sur une direction, ça permet à Kirby d'aller vite. Les gens normaux disent courir, mais moi je préfère dire aller vite. Alors ça c'est voilà, des trucs de santé. Alors vous voyez, j'ai mes points de santé. Ah, l'interface. Oh, l'interface à l'ancienne vraiment. Hop, et lui voilà, je sais qu'il va se barrer. Et à la fin, vous avez un petit jeu où il faut appuyer au bon moment pour arriver le plus haut possible. Et les gars, il est un peu chiant. Hein. C'est assez rare que... C'est assez rare d'y arriver. Enfin, moi, c'est assez rare que j'y arrive. Donc vous voyez, en fait, les niveaux sont tous bloqués. Alors là, il y a des petits jeux, c'est ce que je vous expliquais, des petits jeux bonus. Mais étant donné que le but... Coucou, Quick Ben. Étant donné que le but, c'est d'aller le plus vite possible, on va pas se faire chier à faire les jeux bonus. C'est pour gagner des vies, des trucs comme ça. Hein, donc, évidemment... Pour un runner comme moi, aucun intérêt. Par contre, vous allez voir, le jeu, par moment, dès qu'il y a 3 ennemis en même temps à l'écran, le jeu rame, c'est une catastrophe. Ah oui, donc quand on se fait toucher, quand on a un pouvoir et qu'on se fait toucher, bah vous verrez pas parce que je suis un peu nul. Donc lui, vous voyez, il me balance un truc. En fait, il y a des mini-boss, il y a pas mal de mini-boss dans le jeu. Alors si vous voulez aller vite dans Kirby, hein, le principe est quand même de ne pas voler. Hein. Kirby vole, mais quand il vole, il est lent. Il est lent du cul. Mais un truc monstrueux. Et donc là, à chaque fois, les mini-boss alors, vous donnent un pouvoir, mais un pouvoir à durée limitée. Vous voyez, là, en fait, je vais pouvoir balancer le pouvoir une seule fois. Et pas plus. Et hop, regardez, j'ai ce pouvoir. Et ce pouvoir-là, en fait, du crash, ça tue tous les ennemis à l'écran. Donc là, ce qui m'a permis de faire en sorte que le jeu rame pas à mort. Enfin, je sais même, c'est quand même ouf, hein. je connais tellement ce jeu que je sais les endroits qui rament quoi. Ah ouais, alors ça, ce pouvoir là, c'est la ramance assurée quoi. Ah oui, j'avais pas précisé aussi, le... A priori, Kirby pue de la gueule, vu que son souffle peut tuer des ennemis. Et oui. Donc je pense que Kirby, il mange beaucoup. Il mange ses ennemis. Mais il doit pas se brosser les dents très très souvent par contre. Hein. D'accord. D'ailleurs, est-ce que Kirby a des dents? Et on peut tuer les trucs en les faisant tomber dans les trous, c'est merveilleux. Je crois que Kirby est quand même un jeu qui est sorti assez tard dans la vie de la NES. Ce qui fait que voilà, ils avaient quand même pas mal de techniques. D'optimisation en fait. Des jeux. Et globalement Kirby est plutôt un jeu assez beau et assez propre pour cette génération là quoi. On voit qu'il y a, enfin, il y a une palette de couleurs qui est juste dingue. Pour un jeu de l'époque.
Donc là, j'ai perdu mon pouvoir, mais ce n'est pas grave. Ah ! Alors dans l'eau, ouais, dans l'eau, vous pouvez balancer un petit jet d'eau comme ça. Rigolo. Ça rame. Ça rame tellement le jeu. Coucou Number IT. Kirby devrait peut-être consulter un médecin pour ses problèmes d'haleine toxique. Ah ouais, non, c'est okay, une catastrophe. Hein. C'est un jeu sorti en fin de vie de la NES. Donc les devs maîtrisaient la plateforme. Les jeux de fin de vie de console sont souvent vus à la mieux réalisés. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Merci Number IT pour. pour avoir répété ce que je viens de dire. Donc là, voilà, mini-boss qui se fait défoncer. En plus, lui, donne pas un truc temporaire, il donne le pouvoir de la glace, quoi, qui est pas ouf. Qui fera encore plus ramer la console. Ah, de temps en temps, ouais, les ennemis clignotent. Mais c'est des techniques, justement, qu'il y a sur cette génération-là de console pour... afficher un sprite que la moitié du temps. Et donc du coup donner un petit peu de répit à la console. Ah. Ah voilà, c'est le moment où ça rame. Je vais chercher la vie quand même. Jamais. Oh là là, on peut plus. Ah, c'est compliqué. Hein. Va falloir que j'y arrive au moins une fois hein, pendant toute la run à aller tout en haut. Oh bah déjà. Comment ça? Déjà le boss de fin? Ah bah avec mon pouvoir ça va aller. Hein. Ah, normalement, il y a un boss là. Ah, bisous. Ah, bisous le boss. C'est pas des clignotements, c'est une capacité ultra temporaire d'un récipient. Non, c'est, ça clignote. Ricoré fait du café chicoré au lait d'amande pour les véganes. Ok, c'est une information que je ne pensais pas avoir aujourd'hui. Ah, attention parce que les noix de coco font mal. Hein. Les noix de coco explosent, vous allez voir. Ouais, vous avez vu, elles explosent vraiment. Hein. Vous voyez, ça parle véganisme dans le chat. Ah bah faites gaffe parce que... Et il y a un nombre de pouvoirs qui est juste incroyable quand même. Hein. Alors eux, si vous essayez de les absorber, un, ils résistent et deux, ils s'énervent. Donc faut faire très attention. Et vous avez vu, il y a le pouvoir de l'épée, il y a le rayon laser, là j'ai le feu, il y a le parasol. Le parasol en fait, c'est un pouvoir aussi, en fait vous allez avoir un petit parasol. Merde. Ah ouais, j'avais oublié que les bombes... Alors les bombes quand vous êtes tout près, ça vous fait du dégât, mais s'il y a une étoile qui est à l'écran, l'étoile disparaît. Là c'est le pouvoir de la tornade qui est nul. Et parasol. Aïe. Et quand vous avalez... Voilà, quand vous avalez plusieurs ennemis avec... Ah, il est nul celui-là. Quand vous avalez plusieurs ennemis avec un pouvoir, en fait, il y a une petite roue. Et c'est choisi... Alors, c'est pas choisi de manière random. Ça correspond, en fait, à la combinaison de deux trucs. Donc, ils ont fait... pour chaque combinaison de pouvoir, eh bien, vous avez un truc qui est possible, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai le pouvoir de merde. Alors, quand j'ai un pouvoir qui m'emmerde, par exemple celui-là m'emmerde parce qu'en plus il me ralentit, il y a moyen d'appuyer sur Select pour l'enlever. Ah, il y a la glissade aussi, j'ai pas parlé de la glissade. Kirby, il peut faire des glissades. Ah, effet intéressant dans ce jeu. Vous récupérez pas vos points de vie à la fin de...
Claveline, faites gaffe parce que... Hein? Quoi? Kirby ne récupère pas ses... Oh putain. Ah, ça rame! Ses points de vie à la fin des niveaux. Donc là, j'ai 3 points de vie. Bah, si je termine le niveau comme ça, et bah, j'aurai 3 points de vie au début du prochain niveau, quoi. Et c'est quand même assez rare. Kirby ne se soigne pas. Vous pouvez traverser évidemment les crevasses si vous avez la vitesse. Ah, je finis pas mes phrases, merde. Non, mais finir ses phrases... Ah, ça parle véganisme dans le chat, faites gaffe parce que les noix de coco sont explosives. Oh putain, je me rappelle d'un truc qui était il y a plus de 4 secondes. Vous avez vu, c'est exceptionnel. Vas-y, pour le stream de 100 follow, je me rappelle des trucs. Faudrait que je chope la version 3DS de jeu. Ah, ils ont fait une version 3DS ? Merde, j'ai récupéré Will. Je voulais m'en débarrasser. Ah, on peut pas voler par contre, quand on a un truc dans la bouche. Quand on a un truc dans la bouche, on ne peut pas voler. Bon à savoir dans la vraie vie véritable. Viens là toi. Viens là toi. Ah, oh, l'animation avec l'épée, elle est trop classe. Ça, les animations, elles sont super classes dans le jeu, quoi. J'aime vraiment ce jeu, hein, c'est fou, hein. Bon, je l'aime moins, là. D'un coup, je l'aime moins, mais... Bon, comme d'hab, hein, dans les jeux vidéo, hein, les passages... les passages dans les dans la flotte, les pires. Y'a quoi en haut? Ok, là, je peux rien en faire. Ah, y'a du repop des ennemis aussi, hein. Y'a un repop qui est quand même assez vénère. Ah non, je suis dans l'autre sens. Ah, merde. Vous voyez quand je dis qu'il y a un repop assez vénère? Ah, il y a lui! Oh d'accord, je me rappelais plus. Je sais plus c'est quoi son nom d'ailleurs. Ah non, merde! Ouch! Ouch! Merde. Hop, et le petit dernier. Ça déverrouille la porte à la fin. Par contre là, alors là va falloir que j'aille. Alors là c'est un peu un bait, vous avez vu. Voilà. Voilà, vous avez vu comment ils sont? Les salauds. Ah! Non, j'ai cru. Est-ce qu'il faut pas bourrer le bouton? Alors je sais plus s'il faut pas mâcher le bouton. Impressionnant cette mémoire, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça, c'est pas des jeux, ça, c'est les musées. Et donc, on peut récupérer des pouvoirs. C'est le jeunesse avec des save state et la 3D. Ok, des adaptations pas chères, mais sympa, ok. Et on peut manger dans un avion. Faut pas que tout le monde mange en même temps dans la... Quoi? Hein, quoi? Faut faire des niveaux dans... Faudrait des niveaux dans le champagne. Dans le champagne. Dans le... Dans la champagne. Champagne Ardennes. Kirby se fait défoncer par des ninjas vikings. Hop, je vais mourir. Voilà. Mais c'est le perso le plus fort de tout le JV. C'est canon d'après Smash Bros. Tu es sûr de ça? Ah ouais, alors ça c'est... Par contre, ça voilà, ça c'est le genre d'erreur con. On peut manger en volant. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Et donc avaler. Et là, vous allez faire des vannes quand je vais dire...
avaler quand vous sautez. Vous allez faire de la vanne là ou pas? Parce que bon, voilà, chaque fois que je dis un truc, vous faites une vanne. Est-ce que quand je vais dire avaler quand vous sautez, c'est une mauvaise idée? Hein? 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 Bande de petits marrons, va. Oui, on peut récupérer des notes de musique. Hein. Oui. Check le trader, Smash Bros Ultimate, tous les autres persos se font bolosser. Bah oui, oui, c'est le seul survivant. Bah oui, je sais. Non mais je sais, on a vu, mais... Kirby est plus rapide que Sonic. Donc là, c'est... effectivement, hein, le son est horrible. Alors là, ne pas se faire avoir, évidemment. Hop. Voilà, il ne faut pas utiliser son pouvoir. C'est fait exprès, hein. Ils l'ont fait exprès, les devs. Hein. Je vais essayer. Tac. Ah, faut peut-être mâcher le bouton, ouais. Eh, déjà la vanne, non? C'est toi qui l'as faite, tu n'as pas... Non, non, c'est vous, c'est vous. Vous me forcez à faire des vannes, là, je vous connais. Oh, regardez comment ça rame. Oui, je connais un peu les timings. Oui, je connais un peu les timings. Bon, ça va. J'ai fait le jeu deux ou trois fois, quoi. Ah! Il y a un truc à droite, là. Je crois qu'il y a... Il y a un machin pour soigner à droite, il me semble. Oh non mais non! Oh mais non! Reviens là toi, tiens. Viens là. Merci. Tout ça pour ça? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais Rabia elle est pas là. Rabia elle est là-haut. Hein. Essayez pas d'invoquer Rabia, elle est là-haut. Un autre truc bien, alors là vous voyez les immeubles, regardez, toutes les fenêtres d'immeubles, il y a un petit il y a un petit rond en bas. Et hop. Vous avez vu ça? Il y en a un, il n'y a pas un petit rond, y a pas, le bas n'est pas arrondi. Eh bien, il y a une bonne raison pour ça. Ce n'était pas une fenêtre, qui ne sert à rien, mais c'était une porte dans laquelle on pouvait rentrer. Et oui. Sont malins chez chez pas Nintendo d'ailleurs. Merde, 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 je veux. Ah oui, alors ça aussi quand on retombe d'assez haut, on fait du dégât aux ennemis. Super, génie. C'était nul là. Je chanterai Rabia jusqu'à ce qu'elle vienne. Ouais, mais tu vas te faire ban avant en fait, c'est ça le problème. En fait, c'est ça, tu vas te faire ban avant qu'elle arrive. Alors lui, il va dessiner des trucs. Regardez, hop, ça dessine, ça dessine. Donc nous, il faut qu'on chope les dessins, qu'on lui balance en pleine tête. Hop, il faut faire attention.
Merde, j'ai pas réussi à sauter. Ah, j'ai pas réussi à bouger assez vite. Bah non, c'est dégueulasse. C'est pas gentil. Et il y a un New Game Plus dans le jeu. Et c'est une fois que vous avez terminé le jeu une fois. Eh bien, il me semble que ça donne le... Ouais, voilà, il me semble bien que ça me donnait ça. Quand vous terminez le jeu, quand vous terminez le jeu une fois, et bah vous avez... Vous avez un New Game Plus où vous jouez avec moins de points de vie. Hop. Et oui. Merde. Oh merde, j'ai tiré dans l'éclair. Quel nul. Ah. Vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai chopé le truc à ce moment-là, et donc j'ai eu des frames d'invulnérabilité, et le boss m'est passé à travers. Il y a le Kress qui peut la détruire, il y a sûrement une morale là-dedans. Oh, tu crois? Tu crois que Kirby, ça serait si profond que ça? Ça ramouille, il y a 4 ennemis. Allez, tout le monde meurt. Hop là. Je vais plus voir personne. Alors souvent, on vous donne les... des compétences qui vont vous servir pour après, pour... Oh, le salaud. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a fait, ce salaud? Un réveil. On se bat contre un réveil moustachu quand même. C'est quand même assez fou. Hein. Il est juste nul ce pouvoir, c'est tout. Ah là, vous voyez, il y a un gros bumper. Et là, vous vous dites, à quoi qu'il sert le bumper? Bah, vous sautez dessus. Et là, paf! En fait, voilà, il y a plein d'endroits cachés dans le jeu qui vous permettent, en fait, de débloquer un genre de truc, quoi. Attendez, hop! Non, je sais pas. Hein. Je sais pas comment ça marche. Hein. Pam, palapalapam, pam. Attention ninja! Oh les ninjas ils sont dégueulasses les ninjas. Je les aime pas. Hein. Personne ne vous aime les ninjas. Oh, regardez ça! Regardez ça cette animation! Est-ce qu'elle est pas folle? Les mecs font ça avec une NES quoi. Au calme. Moi je me fais toucher 12 fois ici mais c'est pas grave. Ah, il y a des trucs qui me tombent sur la gueule, voilà. Ça m'a pas empêché de les... de pas me les prendre. Hein. C'est de la 3D, exactement. Ils ont fait de la 3D avec de la 2D. Ils sont trop forts. Ah merde, merde. Je me suis cru dans Shovel Knight. Pour ceux qui ont vu Shovel Knight hier. Hein. Je me suis cru dans Shovel Knight là. 100%.
Voilà, faut bien attendre qu'il soit au sol parce que sinon on se fait avoir. Non, non, je voulais le virer. Je suis trop con. Allez, ils vont descendre. Et je vais faire la gueule. Merci. Et donc là, pour l'avoir, il faut faire ça. Hop. Voilà. Il faut y aller vite, sinon, bah, le truc tombe. Donc, par exemple, ne pas cracher son... son haleine fétide. Dans le truc. Alors si c'est le pouvoir qui grabe, c'est nul hein. Ah non si. C'est sûr que ça existe, ça c'est du tout pas... Non non mais alors commence pas par... Non non Claveline, non 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 non, erreur. Erreur, ne parle pas chat avec avec Number 80. Il va être de mauvaise foi, il va être 100% de mauvaise foi. Ne parle pas de chat avec lui. Coucou Avorpal, comment tu vas? Bah tant pis pour mon pouvoir, c'est pas grave. Ah ça rame. Merci. Allez, on se casse. Moi, j'y arriverai pas. Hein. Encore de la 3D, mais c'est ouf. Ouais, non, mais... le moteur graphique dans ce jeu. Écoute pas, il aime pas les chats, il est jaloux que les chats passent 18 heures par jour à dormir. 18 heures seulement, ça m'étonnerait. Hein. Rabia, c'est plus que ça. Hein. Je te raconterai quand même, le week-end est mouvementé. Ah. Oh. je suis en train de penser à un truc là, mais bah, tu me diras, je verrai si j'ai beau ou pas. Connard. D'accord, il y avait que ça. Ok. Alors il y a des ouais, voilà, dans Kirby il y a aussi des il y a aussi des sorcières qui font le ménage. Ah non. Merci. C'est pas une partouz, non. Bah, c'est pas du tout à ce à quoi je pensais, donc donc voilà. Donc, pas de bol, c'est pas à ce à quoi je pensais. Tu dois faire ton autre jeu avec 3 RTX 3090. C'est-à-dire qu'avec cette quali et les effets 3D, ah bah, t'es méchant. T'es méchant avec Kirby. Le jeu est vraiment beau, hein. C'est pour l'époque, le jeu est vraiment super beau. Hein. Vous avez vu, il y en a un qui avait ah oui, on peut passer en dessous. Ah oh, mais j'avais jamais essayé ça. Ah oh, mais c'est du génie ça. Donc lui voilà, il y a un moment où on peut avoir deux étoiles en même temps, enfin l'une après l'autre.
C'est plus dinglo que mon début de semaine à Copenhague. T'as bien pensé, la soirée échangiste avec des furries. Non. Il est toujours beau aujourd'hui. Ouais, non, mais non, oui, mais non. Genre, si tu le compares à un Hollow Knight. Non, le jeu est pas beau, quoi. Faut arrêter de déconner. Je suis d'accord, il est vraiment, ouais. 93 apparemment sur ce jeu, j'avoue, il rocks encore graphiquement. Non, non, il est. En termes les animations par exemple sont assez ouf. J'étais pas loin. Mais il est beau pour l'époque, ouais. Mais il est pas beau. Je connais ses kinks. Ouais, je. je sais pas si je peux dire, mais. Je pense qu'entre vous deux, c'est pas toi qui connais mieux mes kinks. Hein. juste comme ça. Hein. Je dis comme juste ça comme ça. Hein. Voilà, c'est cadeau. C'est entre deux là, mais. C'est pas pareil, Hollow Knight c'est dessiné. Kirby c'est du pixel. Bah, Hollow Knight c'est des pixels aussi. Hein. Pas m'avancer. Oh là là, oh là, il y a trop de trucs à l'écran. Bon, par contre, Hollow Knight, ça rame pas comme ça. Hein. Regardez, encore de la 3D, mec, d'autres effets. Les deux sont beaux, mais pas pour les mêmes raisons, c'est ça. Mais chacun est ancré dans son époque, quoi. Attendez, parce que je sais qu'il y a un truc qui se pète la gueule là, je crois. Non. Ah, je sais qu'il y a un truc là, voilà, là il y a une porte. Je sais plus à quoi sert la porte. Ah, il faut aller vite. Ah voilà, je suis pas allé vite. On peut le refaire. On peut le refaire. Il parlait des kings d'Avorpal. Non, non, il parlait pas des kings d'Avorpal. Je crois pas. Ah, ça tombait pas de la droite, ça tombait de... Ah bah super. Ça tombait de la gauche. Oh! Voilà, vous voyez, hop. Son pouvoir, c'est de faire de la lumière. Est-ce que c'est pas classe? Non. Cutter, il est pas mal. Oh putain. Quel bâtard. Putain! Je vais pas sortir des trucs comme ça, qui sont vrais. Non plus, ça se fait pas, mais raconter des faux trucs pas vrais, d'ailleurs, oui. La marmite, un complot reptilien pour prendre le contrôle de Twitch. Ah bah oui, effectivement. Si tu sais pas la vérité, tu peux accessoirement révéler un truc vrai. Ah ah, exactement. Ah, le boss est en deux parties. Ah, les bâtards. Mais oui, j'avais plus dit. Allez, boum. Et en moins. Alors là, il y a moyen de récupérer les... Non, je vais me faire tabasser. Il y a moyen de récupérer les deux étoiles en même temps. Mais alors le... Faut être vraiment prêt. Hein. Voilà, le soleil a rendez-vous avec la lune. Mais la lune ne le sait pas. Et les deux explosent dans le ciel. Je savais qu'il y avait un délire furry ici. I knew it! Non, pas vraiment. Finalement, le jeu est peut-être beaucoup moins long que ce que je pensais. Parce que ça avance vite là quand même, non?
Bah je disais ça pareil, ouais non mais je disais pareil hier sur sur DuckTales et puis finalement bien mal m'en a pris. J'ai été très désappointé quand j'ai passé une heure sur le dernier niveau. Donc aujourd'hui, Tony Hob, s'il te plaît, tu auras l'obligeance de bien fermer ta gueule. Oh oui ! Oh ça y est, regardez. Ça je le vire. Et on va avoir le meilleur truc. Donc, on a un tir chargé. On a le tir, hop, le tir un peu chargé. Donc, si j'appuie, ça fait le rayon. Si je reste un peu, ça fait le laser. Si je reste beaucoup, ça fait ça. Voilà, et on vole. Et on va vite. Et c'est merveilleux. Donc, faut faire gaffe parce qu'il y a les autres UFOs. Ils arrivent. Oh la boule, ah la boule la pire. Et voilà, donc il y a moyen de... Par contre, une fois que vous avez pris une direction, ça reste dans la direction. Donc, par exemple, là, pour celui qui est en train de venir m'emmerder, là. Oh, ça rame. Et donc là, voilà, il y a une... Vous voyez, il y a un truc bizarre là-haut. Il y a un truc en plus, et bah voilà pourquoi. On va faire Metroid NES. Alors, ce que je disais, hein, les Metroid, je pense que la prochaine fois que j'ai un week-end où je peux streamer, vous avez le droit à un marathon Metroid. Hein. Mais genre, mais par contre, hors de question que je fasse les vieilles versions qui sont chiantes. Donc Metroid NES, ça sera zéro mission et ça sera pas du tout la version NES. Hein. Je ne blague pas. Hein. Je ne veux absolument pas faire Metroid NES. Ah non, autant les versions GBA ont l'air vraiment, vraiment chouettes. Oh non, mais Metroid NES quoi. J'ai essayé hein. Vraiment, je déconne pas, j'ai essayé, mais non. Non, c'est une bonne grosse purge, là. Il est vraiment trop trop rigide, quoi, le Metroid NES. Regardez, il va se noyer, regardez. Paf ! Noyade. Et Metroid 2 sur Game Boy ? Non, pareil, ça sera... Samus Returns sur 3DS. Mais donc ouais non je vais me faire un marathon Metroid 2D quoi. Ça me donnera l'occasion de recommencer de repartir sur Metroid Prime 3 aussi. Après contrôle On commencera Metroid Prime 3. Histoire d'enfin aller... Terminé ! Merde. Salaud. Ouais, normalement, si je reste au milieu, c'est ok. Ah merde. C'est dans le mauvais sens. Y a personne qui peut aller voir une solution de Kirby's Adventure et qui me dise faut faire quoi à la fin. J'ai jamais su s'il fallait mâcher le bouton ou s'il fallait juste rester appuyé quoi. Alors là, on va voir la merveilleuse. Regardez la petite tête de Kirby avec ses petites patounes là à l'extérieur du truc quoi. Est-ce qu'il est pas trop mignon? Ah! Connard.
C'est une histoire de timing. Faut appuyer juste au bon moment en fait. Mais genre mâcher ça sert à rien. Ils disent quoi les speedrunners? Voilà. Ah bah non mais les speedrunners je pense que eux ils appuient le minimum. Parce que plus vous ouais plus vous appuyez, enfin si plus vous allez haut et plus ça va mettre de temps en fait. Donc je pense que les speedrunners ils doivent essayer de faire en sorte que. Enfin, j'ai plus de vie par contre. Les speedrunners ils doivent faire en sorte d'aller le plus bas possible j'imagine. Vite le Red Bull. Pas le streamer, hein, la boisson. Là, vous voyez, des escaliers. Que vous pouvez évidemment suivre. Ou pas. J'ai déjà réussi, hein. Dans ma vie. Dans ma vie, j'ai déjà réussi à le faire. Mais, putain, c'est chaud, quoi. Alors, vous voyez, en fait, les portes... les portes quand le niveau est complètement fini, oh, encore un truc génial dans le jeu. Les portes quand vous avez complètement fini, elles sont blanches. Et par contre s'il reste un secret à avoir à l'intérieur, et bah la porte reste de la même couleur. Elle ne devient pas blanche. Ça vous permet de savoir dans quel niveau vous avez encore des trucs à rattraper quoi. Ah c'était tellement évident que j'allais me larder. J'ai cru que j'étais dans le vide. Hein. Oui, j'ai plus de vie. Ah, truc bien aussi dans le jeu, ils ont compris que mettre le tididididit, tididididit tout le temps pour vous dire hey, t'as plus de vie, c'était méga relou et qu'il fallait arrêter ça. Et donc, vous ne l'avez que quand vous changez de tableau. Et pour ça, on remercie les devs hein, quand même. Ah, lui, il vous chope. Lui, il fait des. il fait des noix korogu. Regardez, vous allez voir, il va me balancer une noix korogu. Non. En fait, il va me casser la gueule. Mais il fait des noix korogu, lui. En fait, le premier. Le premier à faire des noix korogu dans l'histoire du jeu vidéo, c'est pas les korogu, c'est ce boss. Qui d'ailleurs, je sais pas ce que... Regardez, hop, une noix korogu, vous avez vu? Qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs. Une noix korogu à son effigie. Je sais pas ce que c'est comme bête ça. Si tant est que c'est une bête. Donc évidemment, le jeu est super bien fait. Donc vous avez un nouveau pouvoir. Celui-là, mis à part si vous combinez, comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai combiné deux trucs. Et donc j'ai eu le pouvoir de lancer. Mais sinon, c'est la première fois que vous tombez dessus en fait. Donc évidemment, le reste du niveau est fait pour vous montrer comment ça fonctionne. Plutôt malin. Et ouais, le jeu est malin. Le jeu est super malin. Vous avez vu ces génies? Vous avez vu ça un peu? Ils vous mettent une porte, et en fait, il y a une autre porte après. J'adore ce jeu.
La couille de feu. Qui est horrible, hein, parce que en fait, vous vous arrêtez jamais au bon endroit, en fait. La couille de feu, à chaque fois, vous vous arrêtez pile devant la tronche d'un ennemi. Et vous regrettez, quoi. Ah, merde. Peut-être fait le con, là. Ah, et là, regardez. Ah. Alors que revoilà la sous-préfète. Arrêtez, Jean, c'est fini. Voilà. On est en plein dedans. Hop là. Je sais pas. Je sais pas quand faut appuyer. Oh, je pensais que j'allais mourir. Ah oui, en fait, il se gonfle et après, il dash en fait. Donc, faut faire attention. Là, j'ai de la vie. De la vie, de la vie. Ah oui, voici de la vie. Oh, ça rame, ça rame, ça rame. Hop là. Regardez comment il est classe avec sa petite épée là. Regardez ça, regardez ça. En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai jamais joué à d'autres jeux Kirby, en fait. C'est le seul auquel j'ai joué. Alors, il y a deux types de jeux Kirby. Il y a les Kirby qui sont plus axés sur le combat. Et il y a des Kirby qui sont plus axés sur le jeu de plateforme comme celui-là, en fait. Ah là là, regardez, alors là, celui-là. Il y a un trick. Là, vous appuyez sur le truc. Ce qui vous ouvre le passage. Vous seriez tenté d'appuyer sur ce truc-là en premier. Mais non, que nenni, il ne faut pas. Il faut appuyer sur celui-là en premier, qui va remonter le one-up, pour appuyer ici, et remonter le one-up. Et si vous le faites pas dans ce sens-là, si vous faites le premier avant, et votre one-up, il est en bas et c'est baisé. Super. Il est très bien, même si mon préféré c'est Planète Roboto. Parce que Kirby plus Mecha, quoi. C'est sur quelle console Planète Roboto? J'ai peur. Donc là vous avez vu, j'ai un pouvoir en fait qui me permet de jumper et en même temps de tabasser les ennemis et qui va me servir sur lui. Vous voyez, il faut le pécho comme ça, faut vous mettre dans un coin, merde, faut éviter de le rater. Voilà. Alors autre chose, ouais, Kirby revient toujours au milieu de l'écran. Donc je pense que les speedrunners, c'est pareil, ils doivent essayer de retomber le plus au milieu possible, histoire de gagner du temps. Ils sont malins. Ils sont malins, les speedrunners. Faut le pécho. Oh là là. Faut le mettre dans un coin. Quoi, il y a... Oh, ça va, on a parlé furry. Pécho dans un coin à côté, c'est rien quoi.
Hop. Ta 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 ta. Alors ce que je disais, c'est que voilà, à partir du moment où Kirby a la tête comme ça, en fait là il va faire du dégât aux ennemis s'il tombe dessus. Bon là, c'est un ennemi auquel on peut pas faire de dégâts mais... Et là, truc rigolo, vous dites bah voilà. Merde. Y'a rien à côté. Et si? Et si, il y avait encore un truc. C'est fou. C'est la notion de consentement qui était pas évidente. Ah bah oui, non mais se faire pécho dans un coin... Kirby est un bébé. Merde. Merde, j'ai cru que j'étais revenu au truc où on fallait tomber au début. Merde. Attendez, non c'est pas grave. On va rester à 5 vies pendant tout le jeu. Hein. Alors là, ce que je viens de faire, c'était très dangereux. J'ai eu de la chance. Parce que je vous l'ai déjà dit, avaler quand on saute, c'est dangereux. Du coup, c'est 3DS, Planet Roboto. Ok. T'as fait tellement de jeux sur 3DS, toi. C'est fou. Chaque fois ça. Attention aux noix de coco les enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Noix de coco très dangereux. Ça explose. J'ai le même pouvoir que toi. Espèce de gros naze. Ta-da-da-da-da-da. Le ninja. J'aime bien même les petites étoiles qu'il y a sur la tête de Kirby quand il tombe et qui se fait mal. Alors regardez là, on a l'impression qu'en fait qu'on revient au même endroit. En fait non. Quand on arrive à côté de la porte. Oh là là, mais... Oh, les développeurs, hein. Des génies. Hein. Merde, il a sauté. Merde, il a encore sauté. L'avantage des consoles portables, c'est que tu peux y jouer partout viteuf quand à un moment ils sont plus courts, donc forcément. Ouais, c'est vrai que je jouais pas mal à la DS quand j'étais en région parisienne et dans les transports. J'ai fait des jeux que j'aurais jamais fait. Alors t'es, bah, vas-y toi, vas-y saute hein. Regardez là, non c'est de l'autre côté du coup. Ah non, c'était juste une vie ici. D'accord. Bon, ça reste une vie. Hein. Ah, j'y ai cru là. J'y ai cru. Alors donc, faut pas rester appuyé en plus. Hein, juste une pression, ça suffit. C'est une fois que vous avez appuyé quoi. Donc. Ouais, je lisais quand j'avais beaucoup de transport. J'avais dû ramener une de ces piles de livres après un stage. Ouais, non mais c'est pareil hein, j'ai fait lecture et j'ai fait lecture et DS quoi. J'ai fait les deux. C'est bien de varier les plaisirs un peu. Hop là. On va casser la gueule de tout le monde. Ça va être parfait. Merde, j'avais oublié ça. Ça, j'avais oublié par contre. Regardez. Ah!
J'allais dire, regardez si vous... Si vous bourrez, c'est ok. Bah en fait, non. Non, 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 non. Hop là. Putain. Voilà. Ah, j'ai glissé, il a pas... J'ai glissé, il a pas avalé. Alors lui, je crois qu'il faut aller vite. Hein. Ouais, ça... Faut pas se planter. Hein. Faut pas trembler des genoux. Hein. Sinon, j'ai une PSP craquée, je peux vraiment jouer à toutes les consoles rétro jusqu'à la GBA. C'est le... Ah oui. Oui, bah oui, mais voilà. Si t'es un petit pirateur, là, nous, on n'y peut rien. Hein. Et là, vous allez dire, mais pourquoi il prend le parasol? Eh bien, parce que ce niveau est fait pour. Alors, vous avez vu, hein, les hitbox sont plutôt généreuses. Hein. C'est peut-être petite animation, là, de... Kirby son parasol quoi. Eh n'empêche. Du gars le petit Kirby avec son parasol. Hein. Dommage. Je pense qu'il y a pile le truc. Hein. Voilà. Ah putain. À le moment où ça se termine là. Encore ! Bon, des fois, on va faire... Voilà. On va faire simple. Ah, regardez. Hop. Vous allez en avoir marre. Que je... Ah, regardez, il y a un truc, là. Regardez, là. C'était pas vraiment une sortie d'eau. C'était une porte cachée. Qui débloque un truc. J'avoue que je joue pas trop speedrun là. Hein, parce que je récupère les trucs et tout. Ouais, faut sûrement... Je sais plus si on peut avaler les one-up. Attention, il y a les ninjas. Everybody was cool. Et tout le monde va... Et tout le monde va crever en se noyant. Hop là. J'avoue tellement une bonne console pour pouvoir jouer au... D'ailleurs, vous pensez quoi du Steam Deck? Pas le Stream Deck, hein. Le Steam Deck. Il y a des gens qui ont un peu regardé... Le Steam Deck ou pas? Ça vous parle pas du tout? On est comme des oufs ici. Carrément quoi. Pour vous, jouer à Doom Eternal dans les transports en commun, c'est la hype quoi. Merde, putain, mais arrête de regarder le... L'ergonomie a l'air aux fraises pour le Steam Deck.
Et oui, bonjour, coucou Genius. Et bah c'est pas ce qu'on disait, je sais pas si vous suivez un petit peu la chaîne de Linus Tech Tips, LTT. Et il disait que le truc était plutôt bien gaulé justement, ouais. Donc c'est bizarre. J'en prendrai un de Steam Deck quand j'aurai la thune. Tu veux jouer à des jeux indés en 2D. Et chez LTT, ouais, ça disait plutôt que le design était bon, quoi. Surtout au prix de la console, quoi. Oh, putain. Évidemment qu'il me tombe sur la tronche. Je me barre juste avant le laser. C'est honteux. C'est honteux. Comment tu vas, Genius? Ça s'est bien passé du coup ton stream hier ou pas? Est-ce que tu es content de ton stream hier? Le saviez-vous? Genius a streamé hier. Non? T'as pas streamé hier? Ah! Ah! Un mix, regardez, un mix de deux roues de bagnole. High jump, nul. Je pense que ça va me servir après. T'as juste vu les fiches techniques et le trailer, la forme et le poids me font un peu peur quand même. Non, bah justement, chez Linus, ça disait que c'était justement plutôt ok, quoi. Vraiment. Ça a un peu le feeling d'un... Ma voix streamée sur d'autres chaînes. Ah, ta voix. Ici, la voix. Non. À toi. Vous coulez direct, hein. Là, avec la roue... Alors là, il y a un truc, mais il faut un pouvoir spécial, en fait, pour ici. Ici, la voix. Et je sais plus ce que je disais. Bon, bref. Mais donc ouais, enfin je... Voilà, Linus a fait plutôt un bon retour de... du Steam Deck. Streamer, tu parlais pas? Non, elle streamait pas, mais elle parlait. J'aurais dû prendre... Alors là, pour ce boss-là, le parasol est génial. Dommage, j'en ai loupé un. Oh non! C'est dégueulasse parce que ça rame! C'est la photo-jeu qui rame. Il revient. Genre, il revient sur ses pas, lui. Non, mais attends. Allez, pan. Kirby's Adventure. Non, c'est Kirby. C'est Kirby. J'aime beaucoup Nymelia. J'aime beaucoup Nymelia de base. Et j'aime beaucoup Nymelia quand on dit Kirby. C'est Kirby. Calmez-vous, elle en fait exprès. Hein. Mais Ouais, à chaque fois, ça me fait marrer. La manière dont elle dit Kirby. Non, elle dit pas comme ça. Mais elle dit Kirby quand même. Et c'est drôle. Mais Nymelia est drôle, hein, de toute façon. Moi, elle me fait trop rire. Ah, je sais plus ce qu'il faut comme pouvoir, là. Putain. Ah, le mix des deux est pas mal, je crois. Un banhammer. Je crois que le hammer, il me sert après. Il me sert ici, non?
Yes. Exactement, il me sert ici. Vous allez voir. Là, ça, je pourrais l'éclater avec une... les caisses en bois, je pouvais les éclater. Vous avez vu? Vous avez vu comment c'est malin? Ils mettent les deux ennemis qui permettent d'avoir un marteau. Et le marteau sert juste après. Tout ça est fait exprès. Est-ce que j'étais pas des génies? Aïe. N'en tombe pas! x9, 80. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais il est sous. Il est 10h23, t'es déjà rebou. T'es déjà rebou. Non, non, tombe pas! Merci. Vouloir bourrer comme un âne! Voilà. C'est le problème de Kirby quand vous voulez bourrer. Bah vous faites bourrer, en fait, finalement. Les sous et les d'amandes, putain, il y a rien. T'as tapé une chiare, ça. Un, deux. Oh, regardez, je suis pas loin. Oh, je suis pas loin. Soon. Mais c'est pas le dernier niveau, ça. Merde. C'est pas le dernier niveau, ça? Enfin, le dernier monde? Attendez, je vais quand même pas... je vais quand même pas finir le jeu maintenant. Merde. Ah merde, je me suis bien fait baiser, là. Ah, oh, je sais plus. Y'a un truc là? Ah d'accord. Ah là c'est pareil, les deux ennemis. Quand vous prenez, vous justement, vous avez le pouvoir pierre. Faut juste les choper tous les deux dans le même truc. Incroyable, incroyable. Que vous dites, voilà, pourquoi il y a deux ennemis qui font de l'électricité à côté. Ça ne sert à rien. Eh bien si, la combinaison des deux, ça donne pierre. Génie. Du génie. Y'a pas un truc qui va pas dans le jeu. En fait, tout à l'heure, je disais qu'il était pas parfait. J'ai menti. J'ai menti, ce jeu est parfait. Merde, ah bah non! Vous avez vu comment il s'énerve quand on essaie de les... Oh, il est parti! Oh non! I want the UFO! Please! Please the UFO! Please! Please the jeu! Non, je l'aurais pas. Dommage. Elle a essayé, mais...
Ça y est, je commence à arriver aux deux là. On se rapproche. Bientôt vous allez voir tout en haut quand on arrive. C'est merveilleux. Non mais j'en reviens pas si je termine déjà le jeu quoi. Je suis allé sur How Long To Beat et les gens disent faut 12 heures pour terminer Kirby. Les gens ont menti. Les gens m'auraient menti quoi. Je vous jure si on peut plus faire confiance aux gens. Vous allez sur How Long To Beat pour savoir combien de temps ça va durer votre stream et finalement les gens mettent n'importe quoi. La déception quoi. Ah c'est là. Hop là, après il fait son petit saut, après il fait sa cacahuète là. Internet c'est plus que c'était. Ah non mais clairement. Et là ? Pan ! Attendez, il y a un truc qui souffle, je crois. Voilà. Juste en dessous. Oh non, je l'ai tué! Merde! Je voulais pas! Ah non, faut un laser! Ah non, faut un laser! Non, reste là! Oh l'enfoiros! L'enfoiros, il m'a touché 12 fois! Allez, faut que je fasse ça, hop, je saute. Et je la voilà. Vous voyez, c'est un bait le... Celui-là, c'est un bait. Attendez, faire ça. Hop là. Voilà. Malin. Tu joues en 60 Hz. Et plus en 50 comme à l'époque. Ça va forcément plus vite. Ah tiens, je sais pas tiens. C'est vrai ça, il est en... Je sais pas sur la console virtuelle en combien de Hertz il est. C'est intéressant. Moi c'était juste pour te dire, regarde, il y avait un truc mais tu l'auras pas. Genre que les jeux consoles virtuelles sont les versions US. Bah non, parce que y a le français là. Genre dans Kirby, Kirby là il est français. Donc c'est forcément la version EU. Merde. J'ai chopé 12. Heureux, je peux enfin mettre le son. Coucou Crissou. J'ai dit coucou tout à l'heure, mais a priori tu n'avais pas entendu. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu faisais ce matin? Il parle français au Canada? Non. Ah non, alors ça c'est totalement... Non. Pas vrai. Canada, il parle un truc, mais ça oui. On est parfaitement d'accord là-dessus. Ils parlent. Ils savent parler. Mais alors, de là à dire que c'est du français... Non. Ah non. J'étais au sport. Ah. Bah écoute, ça fait plaisir que tu sois...
Passer avant le sport. Ah, il me faut une épée ou un truc dans le genre. Y'a pas un épéiste là quelque part? Y a vraiment des coins de niveau qui sont prévus. Ah non, y'a un épéiste là! Pour aller récupérer un pouvoir dans un autre niveau. Et après, faut revenir dans ce niveau-là, ne pas se faire toucher pour avoir, continuer à avoir le power-up. Enfin, il y a des fois, c'est assez complexe. Hein. Pour récupérer un truc. Mais. Pas ça ? Non, c'est pas ça. Bah non, c'est pas ça. Dommage. Du coup, c'est peut-être le rayon. Du coup, je vais peut-être aller récupérer ça. Bah voilà, c'était une connerie. Hein. Bonjour, c'était une connerie. Ouais, j'ai 10 vies. Hein. Pas chialer non plus. Hein. Le mec avec la bombe en haut à droite. Il y a un mec avec une bombe. Ça le pire. Franchement, ça le pire. Le petit coin là, merdique. Où en fait, c'est une porte. Horrible, horrible. Non. Putain de merde. Deux fois, hein. Et j'ai pété mon étoile. Alors là, le parasol, trop bien, parce que du coup... Voilà, sinon c'est une horreur. La remontée sans le parasol, là c'est une horreur. Merci, merci, merci. Il m'aura fallu combien de niveaux pour le faire? J'ai combien de niveaux pour y arriver à faire ça? Quel skill? Ah non, c'est juste du bol. Hein. C'est juste du bol. Hein. J'ai appuyé au bon moment. Hein. Mais voilà, ça faisait un moment que je voulais le faire, donc je suis content. Y'a pas un truc là en bas à gauche? Je sais plus. Freeze, motherfucker! Alors, fait rigolo aussi. Kirby est un jeu où les ennemis qui font du froid sont sensibles au froid. Et ça, faut avouer que c'est plutôt rare. Non mais vraiment, il explose ce con. Je crois que c'est juste un bug ça. J'ai toujours cru qu'il y avait une porte cachée, mais en fait non, je crois que c'est juste un bug.
Ah ouais, non, là, faut... Oui. Faut pas du tout le froid, là. Là, faut... Faut un ennemi qui fait... Qui fait de la flamme, voilà. Merde, où le rayon laser ? Vas-y, file ton rayon laser, toi. Non, ça marche pas. Flamme ? Il y en avait un flamme au début, non ? Ouais. Wep ! Oh merde ! Oh là, il y a là, les connards. Non ! Mais ça rame trop ! Ah non ! Oh, ouais, bon, je vais aller à la fin du jeu. À la fin du niveau parce que là je suis en train de me faire bolos. Voilà. Attention. Dommage. Dommage. La fuite. Ouais non mais bon, vaut mieux la fuite que la mort. Hein. Tu sais. Quelqu'un se pointe vers toi avec un couteau, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de le combattre? Ou tu te barres? Ma nièce d'ailleurs qui m'a étonné, mais j'étais étonné content. Je sais plus ce qu'il faut comme... Ah, faut peut-être le fireball ici. Et ma nièce, ouais, je lui ai montré des petits coups. Inspiré de la boxe, merde. Si jamais un jour il y avait quelqu'un vraiment qui l'a menacé, et elle agresse des gens au couteau, pas du tout. Ah non, pas du tout. Et elle me disait non mais le... De toute façon si un jour on m'agresse, le premier truc que je fais c'est que je m'en vais en fait. Hein, c'est... Je vais pas rester quoi. Et j'ai dit c'est la meilleure stratégie, mais j'ai dit voilà, il y a des fois où t'as pas le choix et voilà, c'est... T'es bloqué, tu peux rien faire, bon bah... Comment tu te défends quoi? Mais je lui dis effectivement, oui, non, la meilleure stratégie, oui. C'est la première à laquelle t'as pensé, le fait de te barrer si jamais il t'arrive quelque chose, meilleure stratégie quoi. Je l'ai pas touché. Non! Ah non! Et de 1. Et de 2. Merci. Regardez comment c'est bien. Hop là. Oh le UFO. Transformation UFO. La meilleure. C'est pas facile de savoir quoi faire le moment venu. Car si tu connais 2-3 trucs de défense, ça peut être kit ou double. Que le mec soit armé et vénère au pire. Non, bah, enfin ça peut pas être pire. Si le mec est armé et vénère, de toute façon il t'arrivera de la merde quoi. Faut pas croire que le mec il se dit ah, alors si la personne se laisse faire, je vais être gentil. Et puis si elle commence à se rebeller, je vais être méchant. Non, la personne est armée quoi. C'est déjà qu'il y a un problème quoi. Merde. Mon UFO! Laissez-moi mon UFO. Mais voilà, c'est. Ce que je lui ai montré en fait, c'est comment péter un genou. Hein. Truc assez simple. Et plutôt efficace. Le faites pas chez vous. Hein. Et je lui ai bien dit que c'était uniquement en cas de danger immédiat. Et quelqu'un qui l'emmerdait dans la cour de récré par exemple, ça ne faisait pas partie d'un danger immédiat. Donc elle avait pas intérêt à utiliser ça contre un petit camarade. Get it! Les deux qui bourrent là.
Ah merde ! Oh, le 1 de vital chacun. Le 1 de vital chacun et on s'est foiré. Donc c'était pas le dernier niveau. Il y a encore, enfin c'est pas le dernier monde, il y a encore un monde derrière. Mais... il peut parer ce con. Je bourre toute ma vie. Oh, regardez, c'est un Kirby. C'est un Kirby noir. C'est Néga Kirby. Vous avez vu, c'était Néga Kirby. Ok, y a, donc il y a bien encore ce monde-là, quoi. Ah bah oui, comment j'ai fait pour l'oublier? Putain, les chevaliers, ils arrêtent les lasers avec leur épée, quoi. Trop balèze. Petite vie, là, merci. Je sais plus. C'est plus facile avec lui, hein. Non, merde, je l'ai craché. Attendez, je peux le revoir. Regardez. Hop. Il me semble qu'il faut que je prenne lui. Je crois je me rappelais que c'est lui qu'il me faut. Parce que ça, voilà, je peux le casser avec... Cet enfoiré. Non, c'est au-dessus. Oh non, c'est au-dessus, je me trompe. Voilà, c'est le bim du coup. Oh là là, mais quel con! Bon, c'est pas grave. Allez, allez, on s'en fout. Freeze, motherfucker, ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que ça n'a pas marché. Mais merde! Non. Tellement pas, ouais. Mais tellement pas. J'étais tellement pas dedans. Ah là, génial. Génial, vous avez une tour un petit peu bizarre, un petit peu obscure. Et là, pas de bruit. J'ai pas peur, hein. J'ai pas peur de toi, hein. Ton malin là, mais j'ai pas peur moi. Ah, c'est un boss rush, il me semble, c'est ça?
c'est ça, c'est le boss rush. Hop, le banhammer. Parce que son pouvoir du lancer, on s'en fout. J'ai pas sauté et... Je me fous dedans! Backdrop, je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, c'est le suplex. Ah mais trop bien! J'étais assez prêt en fait pour le bourrer. Ah là, y a un truc là, non? Non, je sais plus. Non, y'a rien en fait. J'ai toujours cru qu'il y avait un truc, mais y'a rien. Le banhammer. Regardez comment c'est beau! Regardez comment... Et comment il est beau ce jeu! Ah ouais, c'est ça? Ouais, c'est nul. Ah là, je sais pas, hein. Je sais pas quand faut appuyer, ni combien de temps, ni pourquoi, ni... On sait pas. RTX on. Alors ça, à ne pas avaler, hein. Ça vous fait pioncer en fait, ce truc là il vous fait pioncer. Regardez, faites ça, paf, vous le mettez, et voilà. Et donc là s'il y a des ennemis, bah vous faites avoir quoi. Je sais pas si on en chope 2, qu'est-ce que ça fait? Bah on saura pas. Voilà. Ah, sublime, 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 sublime. Pourquoi je me mets dans le milieu où c'est chiant? Alors que sur les extérieurs c'est plus simple. Pourquoi ça glisse comme ça? Aïe. Oh, ce bol que j'ai eu là. Ce non-bol que j'ai eu là. Tu veux nous montrer ton skill? Mon skill. Évident. Barrez-vous les osios. Pas de vous ici. Ouais, voilà, évidemment. Évidemment. Alors, je me les prends. Là, par exemple, je serais mort en New Game Plus. Vous voyez? En New Game Plus, il y a que 3 points de vie. Évidemment, évidemment qu'il me tombe en plein sur la tête. Non mais c'est... Et puis en plus, honnêtement le jeu... Par contre ouais. Le seul... Le gros point négatif du jeu quoi, c'est le jeu qui rame quoi.
c'est des fois vous voulez faire des trucs et puis bah en fait non ça passe pas parce que le jeu est en train de ramer. Comme pas possible. Ça c'est un peu dommage. Voilà, alors ça c'est le pire. Ça j'ai déjà dit, ce pouvoir là c'est le pire, parce qu'il s'arrête toujours. Pire moment. Vous voyez, toujours au pire moment. Toujours. Non. Bah si. Yo patatarte, quand je serai grand, je veux être connu. Je veux être comme Tony Hobb. Comment ça? Moche. Moche et moche. Pourquoi tu veux être moche quand tu seras grand? Ah là là, le bait. Ah là là, le jeu. Le jeu qui me met une belle carotte là. Patata, si je veux être moche, c'est pas drôle. Moche, pas drôle et fatigué. Pourquoi? Pourquoi donc il veut ça? Alors, évidemment, ne pas utiliser le will ici. Hein. Sinon, c'est la mort. Garantie. Ça m'a poussé vers le bas. Peut-être que je suis encore plus moche que toi. Et du coup, ça me rendrait plus... Ah, c'est pas con! C'est pas con ça. Ah, bien wesh. Bien wesh, Mister Patatart. Effectivement. Allez, saute. Voilà, merci. Ah! On va avoir un... Ah non, faut utiliser le laser, je sais plus. Je sais plus. Il est chaud lui hein. Faut vraiment l'avoir. Ou alors faut l'avoir avec, avec l'autre là-bas. Si on se fait toucher c'est mieux. Peut-être essayer comme ça. Non mais... Oh là là, le laser à la con là. Il m'emmerde. Non ! Attendez, je crois qu'il y a un truc. Ah c'est ça, faut trouver pile le bon moment quoi. Vas-y. Il ouais, y a un truc. I do remember. J'ai passé vraiment mon temps là-dessus. J'étais pas loin. Hein.
évidemment, il y a l'autre qui m'a emmerdé. Alors le hip-hop, c'est pas, ça peut être pas mal. Hein. Oh non! Oh, j'y étais! Oh, c'est pas juste. Ouais, bon, j'arrête. Ça va bien. Hop là! Merci. Merci. J'ai réussi. Vous avez vu? Pile. Patatarte, il est plus BG que gratos. Regardez Kirby, Kirby Game Boy. En 1080p 50 fps ça envoie, t'as vu ça? Les sprites sont pas assez gros pour la Game Boy, ouais ouais évidemment. Non mais c'est surtout que Patatart il est pas gratos. Regardez-le lui. Je parle évidemment de tes prestations de designer graphique. Évidemment. Me trompe-je ? Mario ! Je le fais exprès, hein, c'est pas possible. Hein. Un truc en bas ? Hop, hop, il y a la mort en bas, ouais. Effectivement, il y a un truc en bas, il y a la mort. C'est ici qu'on peut rentrer dans la lune? Est-ce que c'est ici que je peux rentrer dans ta lune? Le jeu. Oh, regardez comment ça rame. Ouais, c'est ici que je peux rentrer dans ta lune. Hop là. Coucou Otto. Tout à fait, activité spécialité de design. Non mais c'est qui tous ces fous qui dorment pas le dimanche matin? Et moi je suis arrivé à la boulangerie à 8h, il y avait personne hein. Non mais il me reste 1h30 là. Il me reste 1h30 pour de vrai. Acadoc. Ah là, la ref, la ref. Alors attendez, parce que je vais peut-être passer 12 jours sur le boss. Regardez, c'est Dadidou. Vous avez vu, c'est Dadidou. Ah oui, alors, j'avais oublié qu'il faisait ça. Pas très malin le Dadidou. Hein. Le King Dididi.
Hop là, double étoile dans sa tête là. Ça lui fait du bien. Avec le dé de Daddy Day. Exactement. Tagadat, tat, 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 tagadat, tat, 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 tat. Ah zut, j'ai pas été assez près. Non ! Merde. Je suis à voir. Ah ! Ouh là là. Merde, j'étais à l'envers, j'étais à l'envers. Merde ! Oh, il m'a eu juste derrière. Et on était... on était tous les deux en dehors de l'écran. Très drôle. Merde. I'm blue, dabody dabada. Non, 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 c'est le dé de la didée. Non, je l'avais. Oh putain, je l'avais. Oh merde. Shit. J'aurais pu le first try. Quelle honte. Quelle honte, je l'ai pas first try. Ah, je me suis pas barré assez vite. Mais sinon tu me fais des trucs ou sinon tu me fais des trucs. Non. Non pas ça. Je veux dire voilà, ce genre de truc là. Oh non. Ah, par contre, c'est le mauvais plan. Oh là là. Putain, le combat est vraiment aléatoire, quoi. Ah ! Un petit dernier là. Un dernier coup et puis on aura le dernier boss du jeu. Hop ! Salut, merci. Regardez, il y a Dadidou, il veut pas qu'on remette le sceptre. Dadidou, il avait piqué le sceptre. Et là, il dit non, 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 remets pas le sceptre dans la fontaine. Non, 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 faut pas. Et Kirby, il est là. Kirby, il est là. Ah non, 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 le sceptre, il était là. On remet le sceptre. Voilà. Quoi ? Comment ? Il se passe quelque chose d'autre ? Que se passe-t-il ? Oh ! Dadidou, il nous projette dans l'espace ? Alors à savoir, quand j'étais môme, j'avais pas compris qu'on pouvait rester appuyé sur le bouton. Merde. Et du coup, je mâchais le bouton. Et je me suis ruiné les pouces. Hein. Ruiner les pouces. Ça ressemble comme une contrepétrie. Ruiner les pouces.
Alors là, savoir, c'est timé, hein. On pourrait penser que c'est rigolo, là, mais en fait, non, 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 pas du tout, c'est timé. Parce qu'il y a le sol qui s'approche, et au bout d'un moment, bah, on... Regardez, vous avez vu ? Il y a le sol. Et on peut mourir. On peut mourir éclaté sur le sol. Kirby se soutient des forces de l'ordre, c'est ça, hein. Le sceptre, on le fout où on veut. Oh, bah, 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 bah. Pouiner les rousses. Et là on est vite, 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 et vite! Hop, hop! Ah zut! On est tombé. Oh là, y a des timings sur ce boss. Oh là, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Merde. Ah, je me suis fait toucher, merde. Que dommage. Ça me fait juste plaisir de lui mettre une petite toupe, une petite tape. Une petite toupe. Sur le museau. Voilà. Je sais pas ce que c'est comme boss en fait, c'est un magicien. Je sais pas ce que c'est comme Merde, trop tôt. Il y a moyen de le toucher, hein. Sur chaque phase, il y a moyen de le toucher en fait. Mais Ah merde ! Ah, j'ai pas sauté assez haut. Beaucoup trop tôt. Merde. On dirait un peu Dracula. Ouais, non, non, clairement, ouais. Ah, je reviens avec toute ma vie. Oh là là, mais easy. Bon, je pensais qu'on refaisait la première phase. Mais pas du tout. Attendez, il y a Arabia la relou qui arrive là. Il y a, je voulais dire, Rabia l'adorable chat. Oh, comment je l'ai eu. Attendez, il y a Rabia qui vient sniffer la manette, le micro. Ça mon chat. Oui. Bien trop. J'ai sauté trop haut. Bon, il me reste 1h20 pour le tuer. Est-ce que vous pensez que ça peut le faire? Smell la closer in IA, vomi sur le bureau. Pas du tout. Sinon, ce week-end de stream, c'était chouette. Je vais regarder les replays pour les sessions que j'ai loupées. Ah, mais je me suis. Bah, alors, c'est pas fini, hein. R comme Arabia. R comme. Merde, c'est la fin du jeu. Vous allez louper tout. Je me suis éclaté, hein. Clairement, c'est pas fini, mais je me suis. Ah, bah voilà. Voilà pourquoi la lune. Il y a, y a un croissant de lune. C'est parce qu'on s'est battu. Et on a pété la lune, quoi. Kirby s'est battu pour trouver le making, le roi d'Adidou. Ne voulait pas faire de mal en fait. Les mauvais rêves avaient un. Bon, bref, vous avez compris. C'était un cauchemar et qui était venu dans le Dream Spring. Il avait essayé d'être méchant avec les gens. Mais d'Adidou, il avait bien niqué la gueule au cauchemar en cachant. Le bâton d'étoile. Voilà, Dadidou, il a aidé Kirby. Dadidou, c'était pas un méchant. Maintenant, tous les rêves gentils vont revenir.
Et tout ce soir, le Dreamland, eh ben, il va dormir bien. Merci Dadidou. Merci Kirby. Best Bros. C'est pour ça qu'on a un trou dans la lune. Oh là là. Non, non, non. Ah non, non, non. La Terre est submergée par les barres à cause de Kirby qui a niqué la lune. Mais pas du tout. Merci Kirby et merci... Oh non mais le truc bien dans la fin c'est que finalement le roi Dadidou n'était pas si... Regardez il fait coucou avec sa petite main là. Oh là là. Quel jeu adorable. Il me reste bah, voilà, 1h20. Merci Shishayu Miyamoto. Hein? Non c'est pas lui. Comment ça? Si il est là. Il est là dans les producteurs, regardez. Il est là. Shishayu Miyamoto comme d'habitude. Shishayu qui est partout, hein, évidemment. Très bon joueur de Isaac. Hein. Content d'avoir pu voir un jeu en entier. Ah bah cool. Et merci pour les bits. Merci beaucoup pour les bits. J'aime bien la fin parce qu'il montre en fait comment on peut défoncer les boss. Avec, voilà, regardez, lui, hop. Utilise la tornade. Je trouve ça vraiment bien en fait. Ça montre qu'il y a des méthodes alternatives pour tuer les boss. Et c'est plutôt chouette. Regardez, alors ça par contre, ouais, voilà. Ah, le parasol, franchement, meilleur. Ça marche tellement bien. Vous voyez, même en descendant, même sans mettre de coups en fait, il descend le parasol. Enfin, c'est fou. C'est fou! Bon, là, il est obligé d'avoir l'épée, mais. Jeu suivant, on découvre que Kirby a causé le réchauffement climatique. Non, pas le capitalisme. Regardez ça, regardez ça. Regardez, Dadidou, comment il va lui faire sa fête là. Zbram! Zbram! Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est pas prévu. Vous avez vu que quand il descend, Dadidou, avec les bras comme ça là pour faire son ground pound. En fait, l'animation de dégâts, elle est complètement différente. Là, ça veut dire la fin. Bon bah voilà, premier jeu de la journée, défi réussi. Ah là là, qu'est-ce que vous voulez faire du coup? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai plusieurs choix à vous proposer. On va voir ce que vous préférez. Soit je fais ce que, soit je peux essayer de le 100%. On peut essayer de trouver les niveaux, les niveaux cachés. Soit on se fait un petit truc un multi. Soit on part sur les succès de Outer Wilds. Qu'est-ce que vous préférez? Désolé YouTube, vous allez devoir attendre un petit peu que le chat décide. Est-ce que vous voulez voir encore du Kirby? Est-ce que vous voulez faire un petit jeu en multi? Ou est-ce que vous voulez du Outer Wilds? Bah sondage. Qui est-ce qui veut se faire sonder? Mais non, mais on est 8. On est 8 sur le stream, je vais pas faire un sondage pour 8 personnes quand même, si. Moi, m'en fous. Bah, forcément, toi, on joue ensemble cet après-midi. donc voilà, Otonoshi. Oh, il y a un sondage en cours. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, bah, allez-y. Allez-y, il y a un sondage en cours. Merci, Genius. Pour le sondage. Voilà, vous êtes 3 à avoir voté. Super! Super, on va avoir un vote avec 3 votes. Ah non, vous êtes plus que ça, 5. Ah, oh, ça part sur du multi. Hein. Ça part sur du multi. T'as pas fait le 100%. Comment ça, j'ai pas fait le 100%. En Kirby? Mais non, mais je viens de vous dire... Alors déjà, le but c'était de finir les jeux et pas de finir à 100%. Parce que sinon, Hollow Knight en 3h20 à 100%, je t'annonce que ce n'est pas possible. Et voilà quoi.
Bon, a priori, vous êtes partant sur du multi. Du Mario Kart, ça vous dit alors? Qui est chaud pour un petit Mario Kart là? Bon, du coup, salut YouTube, je vous laisse ici. Donc, c'était Kirby's Adventure. Et peut-être qu'on y reviendra pour finir le 100%. Ça devrait pas y en avoir pour trop longtemps. Donc, peut-être qu'un jour, j'en reviendrai. Des bisous YouTube. Encore un défi réussi. Hein. On a réussi 4 sur 5. Non, 3 sur 4. Bisous.